Est-ce que aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger ? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi le pouvoir politique fait ça, selon vous ? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace, et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors ? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, les caténaires. Mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon, et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles en actes terroristes pour... Pourquoi ? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement ? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel, oui. Pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il l'invente, le pouvoir, alors ? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, c'est grave vos accusations, M. Hollande, là ? Je pense que c'est grave. Enfin, mettre en cause des hommes et des femmes, les priver de liberté, les accuser de terrorisme, c'est grave. L'erreur, à mon avis, qui a été commise par la ministre de l'Intérieur, a été de théoriser, à partir de je ne sais quel livre, ou je ne sais quel comportement, ou de réseau supposé, de théoriser l'existence d'une gauche ultra-gauche, ouais. Dont il faudrait absolument... mettre hors d'état de nuire ces prétendus doctrinaires ou exécutants. Bon, je crois qu'avant de porter une telle accusation, je ne dis pas qu'il n'y a pas un moment des surveillances à observer. Il y a sûrement des surveillances à observer et même des répressions à exercer quand il y a des mises en cause des matériels ou des biens qui appartiennent à l'État ou qui appartiennent à une entreprise publique. Ça, il faut que les choses se fassent. Mais de là à imaginer un scénario où le terrorisme serait là, présent, dans le cœur même de nos villages, je pense que là, il y a eu une dérive. Alors, la ministre de l'Intérieur, si maintenant les procédures démontrent que ces jeunes ne sont pour rien, y compris pour les actes dont on les a supposés coupables, alors là, je pense qu'il faudra des excuses de la part du ministre de l'Intérieur. Si maintenant, on lit les livres, et on recherche leurs auteurs, et on interprète leur texte, et on va aller chercher Manu Militari, y compris même en Corrèze, pour les mettre sous les verrous, c'est vrai que c'est inquiétant. Faites attention à ce que vous allez imprimer, diffuser, on ne sait jamais, vous pouvez y passer aussi. Et c'est ça d'ailleurs qui est troublant dans cette affaire de Tarnac, c'est qu'on se dit... Vous êtes inquiet vous, parce que... On ne sait jamais, ouais. Qu'est-ce qui peut se produire enfin, moi je ne crois pas que mes textes encore m'exposent, mais quelqu'un qui... La littérature est pleine de quelquefois de délire d'ailleurs. Mais on commence à
à lire ces textes, à supposer que cette fiction devienne peut-être une incitation au passage à l'acte, et qu'on peut se retrouver là comme ça, mis au fer, c'est vrai que c'est assez troublant. Hein ? Vous avez l'air en forme, vous êtes souriant et puis vous êtes clair, là, je trouve, ce soir. Je vous remercie, monsieur Hollande. Puisque pour le Parti Socialiste, c'est vous. À bientôt. Hein. Salut. Allez, je file. Au revoir. À bientôt. Dans la prochaine. Oui, on se voit dans votre bureau, comme on avait dit. Hein. Merci. Toi aussi, c'est bien. Très bien. Attends. Très bien.